Mets-le assis. Et n'oubliez pas de réserver votre livre sur www.ericramson.com. Je suis contente, il n'a pas aboyé, il a rien fait, il est resté à mes pieds. Il a obéi. Et pourquoi tu es aussi contente? Pourquoi tu, là tu es contente de ce qui vient de se passer? Parce que ça fait du bien, ça montre que je peux faire une balade avec Goliath et Simba sans qu'il y ait des aboiements ou des agressions entre les deux. Mylène, c'est une première le restaurant pour toi? Ah tu vois, c'est bien. Bienvenue chez Eric Tramson, éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État. Je suis le spécialiste des troubles du comportement de vos chiens. Qu'ils aboient, qu'ils tirent en laisse, qu'ils ne soient pas éduqués, qu'ils aient problèmes de comportement. Chien agressif, chien prévu à euthanasie, je suis contre la castration. Je vais pas revenir sur toutes mes déclarations que je fais préalablement, sur toutes mes vidéos que je vous invite à regarder pour savoir ce que je pense de la castration quand on a un chien hyperactif, sociopathe, spinning, agressif ou mordeur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Clément. Salut Clément. Bonjour. Mylène, comment ça va? Très bien, merci. Vous venez d'où? Annonay en Ardèche. Annonay en Ardèche, à combien de kilomètres entre Annonay et Trans-en-Provence? Il y a 600, pas loin. Ouais, 600 kilomètres. Pourquoi vous avez fait autant de kilomètres pour venir me rencontrer? Parce qu'on a un gros problème de comportement avec mon chien. Ah, bougez pas touché. Pas touché. Et ceux de Clément. Ok, ton chien. Oh. C'est qui? Simba. C'est le petit noir. Oui. Ok, et toi? Le bouddha américain de 3 ans et demi. Et le Jack Russell. On a vu qu'il avait, il venait de faire connaissance avec mon chien formateur d'ailleurs. Oui. C'est ça. Hein? Avez-vous vu déjà des professionnels avant moi? J'ai appelé des professionnels et rien que l'entretien téléphonique m'a pas convaincu. C'est que j'ai pas envie d'avoir un éducateur canard, entre guillemets. Un faux cul qui nous dit de venir. Qui va te passer de la pommade et puis. Qui va venir venir 10 fois payer ouais. 90 balles et s'engager notre chien coup de feu, d'eau froide, coup de savate, collier 30 verres. Ouais, ils font pas tout ça. Mais bon, une bonne majorité, ceux que j'ai appelés, moi, c'était ça, leur conseil premier. Est-ce que vous connaissez ma particularité en tant que dresseur de chien? Oui, là. L'état de cellulaire. Ok, c'est bien. Vous êtes prêts? Condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire breveter sa technique basée sur la salive. C'est étonnant, regardez. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, pas de gestes déplacés, pas de mépris, mais bien une méthode de dressage. Doucement. On va pas perdre de temps. Il y a 3 chiens à travailler aujourd'hui. Donc c'est parti, premier test d'évaluation d'agressivité sur Simba. Simba. Simba, c'est parti. Go. Donc je vais évaluer Simba, ce petit boule de poil qui pose un réel problème de comportement pour sa propriétaire. Test numéro 2. Je vais donc passer la laisse autour du cou de ce chien pour me permettre d'avoir le total contrôle de ce dernier et adapter ma communication salivaire pour aller canaliser son trouble du comportement. Simba au pied. Allez. Assis. Très bien mon chien. Assis. Très bien. Boubou au pied. Pas toucher, pas bouger Simba. C'est bien. Assis, pas bouger, pas toucher. Bien mon chien. Allez. Assis. Très bien. Boubou au pied. Pas toucher, pas bouger Simba. C'est bien. Très bien. Tu repars, tu changes de chien. Tu mets à côté pour pas boire ton chien. Cours. Repars en courant. Pied. Non. Très bien. Ta place. Ça c'est assis, pas bouger, c'est bien. T'en fais un passage et tu rentres ton chien au chenil. Pas bouger, pas toucher, c'est bien Simba. C'est bien. Très bien. C'est beaucoup mieux. Ça, ça me plaît. Ça c'était assis, pas bouger, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Pas bouger, pas toucher. Au revoir, monsieur. Tu arrêtes ton chien. C'est bien mon chien. Voilà, ça, là tu viens de travailler ton chien intelligemment. Vas-y.
Tout de suite, vas-y. Simba, pas de toucher, hein. Pas de toucher. Non. Pas de toucher, non. C'est bien, Simba. Non. Dis non. Dis tout de suite. Tout de suite. Non. Allez, là. C'est pas bougé. Comment veux-tu mettre ton chien en contact avec l'autre chien si déjà avec un chien gentil, il voulait mordre? Pas bouger, pas toucher, c'est bien. Et si vous laissez votre chien sur un échec et vous ne corrigez pas, vous ne réglerez jamais le problème. Elle a compris là. Voilà. Là, l'énergie, elle est là, tu vois. Elle est là, moi. Aïlis, c'est bien ce que tu as fait. Voilà. Pas toucher. Voilà. Pas toucher. C'est bien. Pas toucher, Simba. Voilà. C'est bien, Simba. Assis. Voilà. Tu restes assis. C'est bien ça. Je suis étonnée. Je pensais pas que mon chien pourrait être aussi obéissant après ce travail. C'est-à-dire? De base, il m'écoutait pas énormément. J'avais plus aucune autorité sur mon chien. Ouais. Et je suis passée d'un stade où en travaillant avec vous, j'ai récupéré... Avec toi. Avec toi du coup, ouais. J'ai récupéré quand même une autorité sur mon chien, lui montrer qui donnait les ordres, qui dominait en fait. Et depuis, ça se passe bien. Il est où là ton chien? Il est avec Ulysse et il s'entend super bien. Enfin, du moins de ce que j'en vois, il grogne pas, il cligne pas, il aboie pas. Il aboie plus avec toi là? Non plus. Tu te rappelles de tout à l'heure? Oui, il a pas arrêté d'aboyer sur Goliath. Et, ça avance quand même. Hein. Énormément. Pas toucher, silence, pas bouger, pas toucher. Ah, si, pas bouger, pas toucher, silence. Redresse-toi. Silence. Redresse-toi, anticipe, pas bouger, pas toucher, silence. Pas bouger, pas toucher, silence. Anticipe, pas toucher, pas bouger. Pas bouger, pas toucher. Pas toucher. Maïline, c'est une première le restaurant pour toi? Oui. Ah, tu vois, c'est bien. La malle est là-bas, il a déjà vu. Ça y est. Tout de suite, mets ton chien assis. Assis. Pas bouger. Assis. Le pain. Assis, pas bouger, pas toucher. Assis, le pain. Pas bouger, pas toucher. Kiki. Silence. Pas bouger, silence, voilà. Pas bouger, pas toucher, silence. Très bien, Maïline, voilà, tu gères bien. Silence. Pas bouger, pas toucher, silence. Simba, silence. Voilà, allez la lâcher prise. Pas bouger, pas toucher. Voilà. C'est bon, laisse là-dessus. Altassi. Samba, Samba, ouais mon bébé. Ça c'est assis, pas bouger. C'est bien Samba, assis, pas bouger. Stop, ça laisse là-dessus. C'est bien mon Samba. Il a été très obéissant, il a écouté ce que je lui ai dit. Ouais. Et il a croisé des chiens? Pas mal de chiens, sans réagir, sans aucune réaction. Il est bien là? Et il est super sage. Ça y est, il est bien, regarde. C'est bien mon chien. Il n'est pas du tout stressé, il regarde un peu ce qui se passe. Il y a le chien devant, il le fixe mais il dit rien. Allez, on repart au pied, c'est parti. Bougez pas touché. Ah, il découvre ton chien, ça y est. Enfin, maman, c'est bien, fais-moi découvrir. Voilà, énormément de monde pour la chasse au trésor aussi. Vous repartez avec un diplôme et vous repartez avec des cadeaux. C'est une activité payante, mais non, pourquoi? Parce que. Et là tu caresses. S'il n'y a pas le voir mais qu'il aboie pas, c'est bien. Okay. Donc tu lires, je veux dire. Pas bouger. C'est bien, caresse-le. Okay.
Très bien, c'est du bon boulot ça. Aïe, on en vient. Voilà. Parti. Tout droit pareil. Tout droit. Allez, va tout droit. Allez, au pied. Tout droit. On part tout droit direction la mer. Au pied. Au pied. Non. Pas bouger, pas toucher, au pied. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Regarde ce qui va se passer. Pas bouger, pas toucher. C'est ce que je vous ai dit à table. Continuez. Pas bouger, accélère, pas accélère. Caresse ton chien. Pas bouger, pas toucher, c'est bien. Et tu repars au pied. Repars au pied tout de suite, Maline. Repars au pied. Repars au pied, Maline. Tu caresses. Voilà, tu caresses, c'est bien. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Voilà, rappelez-vous bien ce qui s'est passé au lama. Pas bouger, pas toucher. Tu caresses ton chien, Maline. Vous repartez au pied tout de suite. Stop. Repars au pied. Repars au pied. Pas trop longtemps. Voilà. T'es fier de toi? Voilà. Allez. C'est beau ça, non? Ça y est? Ah, ça y est, là, les belles émotions, là. Regarde. Celle-là, je les filme. Celle-là, c'est pas pareil. Celle-là, je les filme parce que celle-là, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a, Maïline? Dis-moi, c'est important. Je suis contente. Il n'a pas aboyé. Il n'a rien fait. Il est resté à mes pieds. Il a oublié. Et pourquoi tu es aussi contente? Pourquoi tu, là, tu es contente de ce qui vient de se passer? Parce que ça fait du bien. Ça montre que je peux faire une balade avec Goliath et Simba sans que... il y a des aboiements ou des agressions entre les deux. Oui. Tes impressions, toi? Toi, t'en as, hein? J'ai été énormément émue, énormément surprise du comportement de mon chien. Il a pu passer d'un moment très agressif à un calme, en fait. C'est la première fois qu'on arrive à réunir Goliath et Simba comme ça, enfin, du moins à cette distance, sans qu'ils s'aboient dessus ou... grogne dessus. Et ouais, non, cette journée m'a énormément permis d'apprendre beaucoup de choses, y compris en mon comportement envers mon chien qui n'était pas forcément l'idéal. J'étais un peu trop stressée. Aujourd'hui, je suis un peu plus détendue et je sais à peu près comment je vais m'organiser pour mon chien et je sais le comportement que je dois adapter pour lui. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui vont regarder votre vidéo? Bah, venez voir Eric Thompson. Il vous est conseillé concrètement. Il aide beaucoup et il est franc, honnête, mais il aide beaucoup parce qu'au final, il nous a aidé nous, alors qu'on était dans une situation plutôt ultra délicate. Et franchement, ouais, non, super. Ça a été dur hein, ce matin, Maïline. Ouais. Bah, déjà, mon chien est un peu plus obéissant, qu'il puisse sociabiliser avec les autres chiens sans en avoir peur, sans qu'il aboie, sans rien demander. Et puis que je puisse le sortir dans des restos ou dans des bars sans qu'il y ait une moindre sensation d'agressivité, on va dire. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Thompson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.